on n'en écrirait pas les nids, comme il n'y a pas les cafés. Attendez. 30 minutes. Qu'en êtes-vous? Tu me mets les doudous de ma mère sur Facebook, maman. Oh lolo, attendez. Maman, tu mets les audios de ma mère sur Facebook. Tu mets les audios de ma mère sur Facebook. Connectez-vous, viens écouter ta voix. Je vais te traiter sur Meta. Tu dis que tu m'as vraiment envoyé, non? Tu oses mettre les audios de ma mère sur Facebook. Tu dis que ma mère a le site. Ma mère, je préfère que ma mère a sorti de coucher avec le chien. Et que ma mère est lesbienne. Tu vas payer le karma. Tu as détruit les familles des gens sur la toile. Tu as vu le toit de Nicole Kétcha. Connectez-vous. Je vais faire écouter ta voix. Comment tu m'envoies d'aller prendre. Tu vas prendre les trucs sur YouTube pour Dorcas. Les gens vont écouter. Après demain, je reviens sur toi. Je vais te traiter dans Meta. Tu ne me connais pas encore. Tu as osé faire ça, ma mère? Hein? Tu penses qu'en disant aux gens la sérologie de ma mère sur Facebook, ça peut m'affecter? Ça ne peut pas m'affecter. Je suis une guerrière. Tu es une sorcière. Tu as montré pourquoi tu fais ça, Nicole. Dégage ta chienne que tu sois. Idiot, va. Hein? Tu penses que mettre la sérologie de ma mère sur Facebook, tu penses me rabaisser, Flore? Tu ne peux pas me rabaisser. Je préfère encore que ma mère sache que de coucher avec le chien que d'être une lesbienne. Je suis une guerrière. Elle dit que viens écouter ta voix, comment tu m'envoyais d'aller prendre les audios, d'aller prendre les choses sur YouTube pour Dorcas. Viens écouter ta voix. Je vais te traiter. C'est pour ma mère que je fais ça. Hein? Tu n'as même pas honte. Tu as détruit les familles des gens. Tu as détruit les familles des gens. Tu as détruit les familles des gens. Regarde comment tu es descendu. Tu as déçu beaucoup. Tu es une sorcière. Tu ne vas jamais changer. Tu as vu la lumière en moi. Je t'ai jamais insulté. Jamais insulté. Je t'ai jamais insulté. Tu as vu la lumière en moi, en Nicole Kétcha. Une petite fille comme moi. Regarde comment tu es descendu si bas. Tu n'as même pas honte, Flore. Tu te regardes, comment tu te regardes dans les yeux. J'ai tous les balles sur toi. Regarde-toi. Tu me fais pitié. T'as même pas, non? Je vais te faire ça dur. Tu me fais tellement pitié. Pitié à la fin, tu me fais pitié. Pitié. Tu ne peux pas, Nicole Kétcha. Tu ne peux pas, Nicole Kétcha. Tu as tellement fait du sale aux gens. Du sale. C'est qui ici? Ce n'est pas ton gars ici, là. Ce n'est pas ton gars ici. Ce n'est pas ton nom ici, Flore. Ce n'est pas ton nom ici. Je vais te traiter dans Meta. Et c'est pas ton nom ici. Petit sort, tu mets les audios de ma mère sur Facebook. Écrivez bien. Hein? Tu mets les audios de ma mère sur Facebook. Tu mets les audios de ma mère sur Meta. Tu n'as pas honte, Flore. Pourquoi autant de méchanceté, tant de haine? Tu n'es pas fatigué de détruire les gens? Hein? Tu n'es pas fatigué de détruire les gens? Tu n'es pas fatigué de détruire les gens? Hein? Tu n'es pas fatigué de détruire les gens? Pourquoi autant de méchanceté? Pourquoi autant de haine? Hein? Pourquoi autant de haine? Tu m'as fatigué de détruire les gens? Tu m'as fatigué de détruire les gens, maman? Tu as détruit combien de familles sur les réseaux sociaux? Tu as détruit combien de familles, Flore, sur les réseaux sociaux? Regarde-toi. Tu vois ici avec ton nom. Je vais partager ça. Tu vois ici avec ton gars, non? Ton gars. Tant quoi? Le gars de l'Allemagne. Tu vois ici. Je vais te montrer. Voici sa maison. Voilà sa maison, non? Ma forfaite veut te montrer de quel droit il me chausse. Tu as osé t'attaquer à ma mère. Tu as osé t'attaquer à ma mère. Je préfère encore que ma mère soit ce que tu dis, selon toi. Parce que ma mère peut dire ça pour escroquer les gens, selon toi, que toi tu dis. Mais au lieu d'aller coucher avec le chien, ta propre mère est malade à la maison. Elle porte les couches. Ta propre mère, tu es maudite, Flore. Ta propre mère est malade, elle porte les couches. Toi, tu sors sur Facebook, tu viens insulter les mamans des gens. Tu n'as pas honte? Je regrette d'avoir collé mon image à toi. Tu es la racaille.
Où est les audios de la troisième personne, Flore? Flore, maman Lélé, lesbienne. Où les audios de la troisième personne, c'est où? Les audios de la troisième personne, c'est où? C'est où? Tu viens mettre les audios de ma mère. Donc, tu viens t'attaquer à moi. Hein? Tu viens t'attaquer à moi? Tu viens t'attaquer à Nicole Ketcha, maman. Tu n'as pas honte, Flore. Regarde comment, regarde où tu es descendu le 9 décembre au 2 de Facebook. Tu n'as pas honte. Tu n'as pas honte, maman. Hey, oh, Nicolo. Oh, Nicolo, maman. Nicolo. Ouais, Nicole. Regarde, tu viens t'attaquer à Nicole Ketcha. Tu viens t'attaquer à Nicole Ketcha. Moi, une petite fille comme moi, tu t'attaques à moi. Puisque tu viens me donner les conseils. Flore, quand tu vas finir ça, quand tu vas finir ça, tu vas finir ça. Quand toi, tu vas finir. Tu as gagné quoi là? Depuis, tu ne parvenais pas à faire 2000 personnes en ligne. C'est grâce à Nicole que tu as pu atteindre 2000 personnes. Quand tu vas finir ça, tu vas te regarder dans une glace, Flore. Tu n'es pas fatigué de détruire les familles? Hein? Tu n'es pas fatigué de détruire les familles, Flore? Tu n'es pas fatigué de détruire les familles? Tu n'es pas fatigué de détruire la diaspora, Flore? Et tu veux tuer l'exemple? Tu n'as pas honte? Tu n'as pas honte, ma chérie? Hey, mon Dieu! Et les gens, les femmes te suivent dans la bêtise. Ces femmes te suivent dans la bêtise. Hein? Ces femmes te suivent dans la bêtise, maman. Puisque les femmes t'encouragent. Tu déposes les audios d'une maman sur Facebook parce que tu veux t'attaquer à sa fille. Parce que tu veux t'attaquer à sa fille. Parce que tu as vu l'étoile, la lumière de Nicole Ketcha. Tu ne peux pas me faire quitter des réseaux sociaux. Tu ne peux pas me faire quitter. Tu es petite. Je suis une bosailleuse. J'ai marché à pied. J'ai bu l'eau de chameau. Je n'ai jamais dit que tu es riche. Je préfère être haut de faire l'amour avec le chien. Je vais mettre la vidéo là demain. Comment tu fais l'amour avec le chien? Demain, les Camerounais vont écouter comment tu fais l'amour avec le chien. Je vais te traiter dans la plus bonne manière. C'est toi qui as commencé. C'est toi qui as commencé. Tu défendais. Tu toi qui as. Écoute ta voix. C'est demain, hein? C'est demain. Tu n'as rien sur toi. Viens écouter. Tu n'as rien sur toi. Attends, écoute. J'étais bloqué sur WhatsApp. Nicole, tu es qui? J'étais bloqué sur WhatsApp, maman. Pour dire que tu n'es rien. Écoute, viens écouter. Viens écouter. Tu as mis le jeu de ma mère. Écoute. Allô, Ni, s'il te plaît. Va sur YouTube, tu cherches un peu. Cherche un peu quand elle passait avec le cercueil, quand Dorcaca, Mara Fombo passait avec le cercueil de sa mère là. Cherche-moi les vidéos là du deuil de sa mère. Tu m'envoies ça, pardon, tu m'envoies ça sur WhatsApp. Ici là, s'il te plaît. Et tu vas la traiter propre. Et toi, tu oses me dire que tu m'as jamais envoyé. Quand toi, tu m'envoyais d'aller dans YouTube chercher les vidéos de Dorcaca pour venir mettre sur ta part, tu m'as jamais. Tu vois, tu es mauvaise. Tu es malade dans ta tête. Hein? Écoute-toi. Écoute, je vais finir ta carrière. Voilà ça. Regarde-toi ici. Avant d'être bloqué, j'ai tout enlevé. Tu étais bête. Avant d'être bloqué, j'ai tout enlevé. Avant d'être bloqué, j'ai tout enlevé. Avant d'être bloqué, j'ai tout enlevé. Tu penses que tu es bête? Je vais te traiter, ma chérie. C'est pas ta voix ici. Tu m'as jamais envoyé. Tu nies quoi? Je vais finir avec ta carrière. Les Camerounais vont écouter. Regardez. C'est pas ta voix ici. Écoute. Sur YouTube, tu cherches un peu. Écoute. Tu cherches un peu quand elle passait avec le cercueil. Quand Dorcaca, Mara Fombo passait avec le cercueil de sa mère là. Cherche-moi les vidéos là du deuil de sa mère. Tu m'envoies ça. Pardon. Tu m'envoies ça sur WhatsApp. Ici là, s'il te plaît. Je vais la traiter propre. Je vais la traiter propre. Parce que tu veux. Je peux pas dire que. Je vais te faire un live spécial demain. Tu as détruit les familles des gens sur la toile. Tu continues à détruire les familles des gens. Tu penses me déposer. Tu ne peux pas me gagner. Flore, mamie Boma, je suis l'enfant de Dieu. Je n'ai pas peur de toi. Moi, tu as vu mon étoile à ta soirée. Tu as vu mon étoile. Comment les gens voulaient prendre la photo avec Nicole Ketcha. N'importe qui dit Nicole Ketcha, Nicole Ketcha. Demande, j'ai même du Cambindo a vu ma Starmania. Tu as vu mon étoile à ta soirée. C'est pour ça que quand tu es rentré, tu as changé avec moi. Même maman Pépé pour confiner. Les gens étaient comme une star. Les gens voulaient prendre les photos avec moi. Les mamans, tu as vu mon étoile. C'est quand tu es rentré, tu as changé avec moi.
Tu as commencé à m'appuyer. Mais tu ne peux pas m'appuyer, ma chérie. Je vais te traiter. Pour toi et moi, c'est une place. Je vais te montrer qu'on ne s'attaque pas à ma famille. Je t'ai demandé que mais les audios de la troisième personne. Mais comme tu es une grosse manipulatrice, tu viens poser les audios de ma mère jusqu'à tu viens poser sa sérologie. Tu n'as même pas honte, Flore. Quand tu te regardes dans le miroir, Flore de Lille, ma chérie, tu n'es pas fatiguée de détruire les familles des gens, maman. Tu n'es pas fatiguée. Tu n'es pas fatiguée de détruire les familles des gens. Toi, tu n'es pas fatiguée de détruire les familles des gens, maman. Hein? Tu n'es pas fatiguée de détruire les familles des gens, ma chérie. Tu n'es pas fatiguée de détruire les familles des gens, Flore. Ouais, mon Dieu. Philippe Sacquet, tu as détruit les familles des gens sur la toile. Tu continues à détruire les familles des gens. Tu comptes. Et c'est toi qui veux aller à étudier. Et c'est toi qui veux aller à étudier. C'est toi qui veux aller à étudier. C'est toi qui veux aller à étudier, Flore. Hein? Et c'est toi qui veux aller à étudier. Hein? Hein? Tu vas lire le... Qui va lire le, moi, maman? C'est moi qui va lire le... C'est toi qui détruis ta mère propre. Hein, comme ça? Hein? Mouf, dégage. Attends, qui me dit mouf, dégage ici? Je dis que je vais vous bloquer. Vous voyez comment ça fait mal, non? Je vais... Vous voyez comment ça fait mal? Vous commencez à pleurer. On ne pleure pas, hein? On ne pleure pas! Erika, on ne pleure pas, vous commencez à pleurer. On ne pleure pas, vous commencez à pleurer. Hein? On ne pleure pas, vous commencez à pleurer. Vous pleurez quoi? Quand elle met les audios des mamans des gens sur la toile, vous appréciez. Hein? Vous appréciez. Vous appréciez. Notre vient dire son visage et écoute des conseils. Elle a le droit de venir déposer les audios d'une maman sur Facebook. Mais je bloque les commentaires, vous dérangez pas, je bloque les bêtises. Elle a le droit de venir déposer les elle a le droit de venir déposer les audios d'une maman parce qu'elle fait du mal à sa propre fille. Parce qu'elle fait du mal à sa propre fille. Hein? Hum? Parce qu'elle fait du mal à sa propre fille. Franchement, tu fais pitié. Tu fais pitié. Tu fais pitié, maman, tu fais pitié. Tu es le diable incarné, maman, le diable incarné. Le diable incarné, maman. Tu vas payer jusqu'à ta dernière génération. Le mal que tu fais aux gens, tu vas payer. Je vais arrêter le live pour te dire que j'ai trop sur toi. J'ai trop sur toi. Ta propre mère porte les couches. Ta mère met les couches sur elle. Elle porte les couches. Toi, tu viens insulter les mamans néant sur Facebook. Tu n'as pas honte, tu es une sorcière. Les gens qui collent leur image à toi, c'est la poisse. C'est la poisse. C'est la poisse. Il va couper le live. Nico, que tu arrêtes le clash. Attends un peu. Nico, que tu arrêtes le clash avec Flo. Occupe-toi de ta fille, c'est mieux. Même si Flo n'avait pas besoin d'exposer ta mère. Pardon, à femme, laisse-moi tranquille, tu comprends. Vous avez vos mamans cachées dans les maisons. Pardon, dégage avec ça. Pas avec ça là-bas. Tu es incapable d'aller dénoncer. Tu occupe-toi de ma mère, n'importe quoi. Votre hypocrisie de Facebook, là, j'aime pas ça. Allez avec ça là-bas. Je n'ai pas. Ma guerre avec toi, c'est une place. Ma guerre avec toi, c'est une place. C'est une place, maman. Tu as vraiment pitié de. Aie pitié de ta part, maman. Aie pitié de ta part. Aie pitié de ta part, maman. Aie pitié de ta part. Vraiment les bandes de l'aîné comme ça, est-ce qu'il me dit que j'ai pitié de ta vie? Je dis qu'il me dit que j'ai pitié de ta vie. Tu as pitié, pitié de ta part. N'importe quoi. Vous le commandez la toile. Vous ne commandez pas la toile. Je suis sur vous, Bata. Attendez demain. Je vais mettre la vidéo du chien. Comment tu fais l'amour avec le chien? Tu n'as même pas honte. Je bloque, maman, je bloque les gens, je bloque. Donc, c'était juste pour te dire que tu as dit que je n'ai rien sur toi. Tu m'as dit que moi, Nicole, je n'ai rien sur toi. Tu dis que tu n'as rien, je n'ai rien sur toi. Hein? Écoute. Allô, Ni, s'il oui. te plaît. Écoute. Moi, sur YouTube, tu cherches un peu. Cherche un peu quand elle passait avec le cercueil. Quand Don Kaka, Marafombo, passait avec le cercueil de sa mère, là.
Cherche-moi les vidéos là du deuil de sa mère. Tu m'envoies ça, pardon, tu m'envoies ça sur WhatsApp. Ici là, s'il te plaît. Je vais la traiter propre. Tu vas la traiter propre. Bon, je vous laisse. Demain, je vous laisse. Je vous laisse. Vous avez compris? Demain, on revient avec les vidéos de la nièce. Comment tu faisais l'amour avec le chien? Parce qu'apparemment, de l'air, on va faire le direct. Elle va faire son live. Je vais couper. Tu as déjà fait écouter, non, ça, non. Même si elle fait écouter ça, non. Il s'est plein. Tu vois, elle n'était pas encore écouté les autres. Voilà l'autre. Voilà, voilà les autres. Tu vois, viens dire aux Camerounais que c'est toi qui m'as envoyé la maison de pipi avant qu'elle sorte. C'est toi qui m'as envoyé la maison de pipi. La maison à laquelle est posée ma part. C'est toi qui m'avais envoyé ça. Espèce de sorcière que tu sois. Tu vas payer, tu es le mal incarné. Avant de mourir, tu vas manger ta peau. Je t'ai bloqué sur WhatsApp. Il dit que tu, avant de mourir, tu vas manger ta peau. Tu es le mal incarné. Tu es le mal, tu es Lucifer. Tu es Lucifer incarné. Tu es Lucifer. Continue ta reine. Tu es Lucifer incarné. Plus jamais plus. Je n'ai pas soigné ma mère, sale chien que tu sois. C'est elle qui vous a dit. C'est elle qui vous a dit. C'est elle qui vous a dit. Va soigner ta mère. Je préfère encore avoir ça que de faire l'amour avec le chien. Je préfère encore avoir ça que de faire l'amour avec le chien. De faire l'amour avec le chien. De faire l'amour avec le chien. N'importe quoi. Parce que vous voulez commander les gens sur la toile. Vous voulez commander les gens sur la toile. On ne peut plus parler. On doit marcher. On doit marcher comme vous faites. On doit marcher comme vous dites. Hein? On ne peut plus parler. Vous voulez commander les gens sur la toile? Hein? Vous voulez commander les gens sur la toile? Vous voulez commander les gens sur la toile? On ne peut plus rien faire. Parce qu'une personne qui a le vampirisme, si tu parles de vampirisme, maman, tu viens toi carrément déposer les odeurs d'une maman sur un temps rien de mal. Ben, tu as fait du mal à sa fille, à moi, Nicole. Ben, tu as vu mon étoile flore. Regarde comment tu es descendu si bas. Regarde-toi, tu es descendu. Quand elle voit les gens coller leur image à une racaille comme toi, j'ai peur, franchement. Franchement, je vous laisse. Demain, je vais mettre ta vidéo que tu fais le chien. C'est ta propre yam sœur. Je vais faire écouter la vidéo de ta propre yam sœur. Comment mettre ta vidéo, comment tu fais l'amour avec le chien. Je vais te traiter sur Meta. Moi, je préfère encore. Moi, j'ai une belle vie. Je n'ai pas fait l'amour avec le chien, maman. Je n'ai pas fait l'amour avec le chien. Je n'ai pas fait l'amour avec le chien. Mais toi, tu as fait l'amour avec le chien. Le chien. Et ta malformation. Tu es venu parler de Nicole Ketcha. Tu es venu insulter ma mère. Tu es venu insulter ma mère. Tu n'as pas honte, Flore. Dans 5 ans, tu vas venir demander les excuses à qui? Tu n'as pas honte, Flore. Tu n'as pas honte à ton âge. Pourquoi autant tu fais le mal aux gens tous les jours? Que tu fais le mal aux gens tous les jours. Tous les jours, tu fais le mal aux gens. Tous les jours, tu fais le mal aux gens. Tu fais le mal aux gens tous les jours. Du sale. Tu n'as pas honte. Tu vas dire, les gens vont faire quoi? Hein? Tu vas dire, les gens vont faire quoi? Ça va coller quoi sur les pieds des? Ça va coller quoi sur ma mairie? Tu n'as pas toi honte. Tu n'as pas honte. Franchement, tu fais de la peine. Ta vie fait pitié, ma soeur. Et revois-toi. Tu es le diable incarné, le mal Lucifer incarné. Tu es Lucifer. Tu es Lucifer incarné. Quel Lucifer incarné, c'est dit, maman. Mais c'est elle dit qu'elle est, c'est elle qui m'avait envoyé à la maison des pipis. Dit qu'on se fait couper, couper, maman, couper. Je vais couper, je vais couper, je vais couper, je coupe même. Oui, allô, maman. Mais c'est demain, non? Elles sont faisant maintenant. C'est demain. Ah. Oui, encore oui, si les gens qui veulent appeler, non, appelez, non. Si les gens qui veulent appeler, appelez. Attendez, je mets le numéro, si les gens veulent appeler, non. Ouais, vous allez couper. Si les gens qui veulent appeler, appelez mes gens. Attendez, si les gens qui veulent appeler, Nicole. Si les gens qui veulent appeler, tu as des personnes qui veulent appeler, ils appellent. Laisse, on appelle, ok. Appelez-nous, soit quelqu'un monte en ligne. Si les gens qui veulent appeler, pour parler, ils appellent. On va continuer. Ça va devenir mon combat. Oh, sur les réseaux sociaux. Ça va devenir mon combat. Ça va devenir mon combat sur la toile. On appelle lui. Bah, j'ai bingé le numéro. Les gens qui veulent appeler, viennent appeler.
Si les gens qui veulent monter en ligne, non, appelle. Il n'y a encore rien vu, ça part. Franchement, vous faites pitié. Vous faites pitié. Vous pensez que vous faites peu aux gens. Hein? Elle dit qu'elle a donné 100 000 à ma mère, maman. Tu n'as même pas honte, franchement. Hein? Tu n'as pas honte. Tu n'as même pas honte, franchement. Elle n'a jamais. Elle dit qu'elle a jalousie de ça. Là. Elle a la jalousie. La jalousie de ça. La jalousie de ça. Vraiment, tu fais pitié, ma grande. Vous m'avez dit que les gens, franchement, vous me faites tellement rire. Vraiment, quand ça les arrange, maman. Quand ça les arrange, oh, quand ça les arrange, mon frère. S'il te plaît, Nicole, arrête le live. Vous vous appelez, vous me dites, moi, j'arrête le direct. Vous m'avez dit que les gens veulent appeler, non? Je te reprends à l'ancien. Il y a la peine, non? Nicole, va apprendre. Franchement, faites pitié. D'ailleurs, tu vas appeler sur Messenger. Ouais, moi, il est moi parti. Ne laisse pas. Ah non, mon Dieu. Franchement, Nicole, je ne sais pas, mais elle est même pas. Non, on va se manquer, mais elle est même pas, non. Courage à ta maman et Nicole, soyez fort. Il dit qu'une sorcière comme ça, Nicole, qui peut me déstabiliser? Qui peut me déstabiliser? Personne ne peut me déstabiliser. Je suis en bain. Personne ne peut me déstabiliser. Personne. Elle n'est même pas née pour me déstabiliser. Elle n'est pas née pour me déstabiliser. Elle n'est pas née. Qui peut me déstabiliser? Moi, si Nicole. Non. Personne. Personne ne peut me déstabiliser. Personne. Personne. Ouais. S'il y a personne qui va appeler, moi, je vais partir. Quand même le numéro, non, j'étais dans le direct. Ah, laissez les gens comme ça, maman. Je te vois bien. Dégage, pardon. Oui, c'est la cour, ça va, maman. Oui, ça va, ma soeur, ça va. Bonjour, Nicole. Bonjour. Bonjour, tout le monde. Bonjour, la télé cassée. Bonjour, les fans de Nicole. Nicole, écoute-moi oui. Bien, ma soeur. Écoute-moi bien. Oui. Que personne. Déjà, tu ne peux pas déprimer. Je t'ai dit ça l'autre jour. Et en plus, il y a les gens qui ont fait ce combat. Personne. Celle-là n'a jamais mis quelqu'un le genou à terre. Il est hors de question qu'une dame, une maman qui pouvait te mettre au monde, une femme de cet âge, Fleur a montré ses limites aujourd'hui. Fleur a tellement montré ses limites qu'elle est une racaille. Que tout ce qu'on dit d'elle, qu'elle faisait du au Cameroun jusqu'ici en France. Et voilà. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Je veux dire quelque chose aux internautes. Aux internautes, oui, la maman de Nicole, elle était en colère. Ce que je vais appeler ici Maman Dorcas, et je veux appeler aussi Mate des États-Unis, que tu appelles Nicole, une maman qui est décédée, tu demandes le cercueil, j'ai foi au dos. J'ai foi au dos. Tu demandes le cercueil de cette maman alors que toi, tu as ta maman qui est malade. Mais Flore, je veux te dire quelque chose. Tu pouvais mettre Nicole au monde. Tu as mis les voix. Ça, c'est la deuxième fois que tu fais jouer les voix de la mère de Nicole. Je veux te dire quelque chose. Oui, tu dis ici que si quelqu'un touche à ta mère, mais toi, tu touche aux mamans des gens. Et ce n'est pas la première fois. Tu as toujours touché les mamans des gens. Non, tu as fait venir ta mère en Europe après combien de temps? Et ce n'est même pas toi qui l'as fait venir, c'est une autre femme. Ouais. Quoi qui l'a fait venir? Attends. C'est un jour d'aujourd'hui. Attends, Nicole. Attends, Nicole. Non, tu n'as pas honte que ta maman qui est malade, tu ne vois pas. Hier, Manganda a dit quelque chose. Viens nous dire. Tu ne vois pas, tu ne dois même pas insulter la maman de Nicole. Tu ne devais même pas mettre les voix. Parce que tu as une maman qui est très malade. Tu ne devais pas demander le cercueil de la maman de Madorcas qui se repose, que cette maman se repose en paix. Alors que toi, tu as ta maman qui est malade, qui commence à être enterrée en morceaux étant vivante.
Parce que Mangada a dit qu'on a coupé les phalanges, je sais quoi, de ta main, du pied. Déjà, elle commence à être enterrée vivante de morceau en morceau. Franchement. Une sorcière. La façon que ta main commence à être enterrée de des morceaux en morceaux, combien de cercueils, combien de sommes, et tu insultais une maman qui t'a envoyé les vols jusqu'à mettre les vols là où elle est malade. Mieux d'être malade que d'être séropose et que d'être comme ta mère commence à être les morceaux enterrés étant vivant. Vous parlez même quoi, même que vous dites à Nicole. Hey, Flo, tu as pensé combien de gens que Nicole a mis à dos pour toi? Maman, Erika. Non, Nicole, je t'ai dit hier, ne pleure plus. Et fais ton combat jusqu'à défendre ta mère. Défendre ta mère jusqu'au dernier jour, jusqu'à ton dernier énergie. Défends ta mère. Et nous, on est derrière toi. Mais tu as une mère qui est malade, tu demandes les cercueils des mamans des autres. Alors que ta mère commence à être enterrée en morceaux. On coupe le doigt aujourd'hui. On coupe l'autre aujourd'hui. Madame, tu demandes le cercueil de la mère de Dorcas. Où est sur ta page? Tu viens foncer les gens sur Facebook. Comment t'es fini sur la toile? Parce que c'est même pas vous les gens de la toile. Il faut faire les yeux pour dénoncer cette racaille. Quand tu demandes le secret d'une maman, que la maman de Madoka se repose en paix, côté un bon enfant. Tu es une racaille. Oui, parle, après, je pars. Je vais lancer le live que demain. Parle. Oui, moi, je veux juste te dire quelque chose. C'est que, mais Ngoï, tu ne tombes pas. Hein. La dernière fois, Ngoï a dit dans sur le plateau de Saya. Que le chien ne change jamais sa manière de s'asseoir. Effectivement, elle parlait d'elle-même. Vraiment, parce que la chienne ne change jamais la manière de s'asseoir. C'est malheureux. Une maman, une vieille femme comme toi, tu as dit ici que tu laissais les clashs. Mais tu as dit ici que tu laissais les clashs. Aujourd'hui, tu vois le karma. Dieu t'a exposé. Dieu t'a exposé. Tu viens de mettre au niveau de Nicole au point de sortir les voices confidentielles de sa mère. Quelle cruauté! Tu as fait du sale dans cette diaspora. Tu as gâté les foyers. Tu as détruit les couples. Ça ne te suffit pas. Tu as détruit et fini de s'accrocher dans cette diaspora. Ça ne te suffit pas. Tu as détruit plus de milliers de couples. Ça ne te suffit pas. Aujourd'hui, voilà, ta mère est couchée. Hein. Ta mère est malade. Ta mère est un pied sous terre. Mais c'est toi qui viens sortir les voix du maman qui vient se confier à toi. C'est malheureux. Shame for you. C'est chien for you, ya Ngoï. Ngoï, vraiment le porc. Le porc, c'est vraiment le porc. On ne peut jamais laver le porc, ya tout porc. C'est malheureux, ya. Tu as conduit de sortir les voices confidentielles d'une maman qui est venue, qui t'a vu comme sa fille. Maman, comme une soeur, parce que c'est ton égal. Maman, elle vous se convient à toi. Tu viens mettre ses voices parce que tu fais du mal à sa fille. Maman, tu as vu à quel escalier tu es descendu. Même ces gens-là, où sont tous ces gens qui font souvent, qui disent que, oh, Flore, ceci, la remplisseuse de mes fesses, oui. Remplisseuse de mes fesses, oui. Le karma va te frapper dans cette diaspora. Alors, ta faim arrive. Et que ta faim est déjà là, tu exagères. C'est de trop. Tu en fais trop. Il faut avoir des limites. Tu as des enfants, tu as des enfants, tu as des petites filles. Et Dieu a fait te donner des filles, des petites filles. Hein. Tes petits enfants, c'est toi des filles. Tu vas voir ça. Tu vas vivre longtemps pour manger ta chair sur cette terre. Parce que tu es méchant, tu n'as pas de limites. Hein? Ou tu penses que les docteurs là qui prennent ce qui prennent les confidences, les confidences avec des malades, c'est parce qu'ils sont bêtes. C'est parce qu'ils sont bêtes qui gardent la confidence avec les malades. Mais toi tu viens carrément parce que tu veux montrer que tu es qui. Tu te prends pour qui sur cette toile? Pour venir parler d'une maman qui est venue te voir, qui t'a confié sur que la maladie dont elle souffre. Aujourd'hui, tu es mise à mon vision parce que tu es ternie de maïs à fille. Shame for you. Tu n'as même pas honte. Est-ce que ton fils te conseille, mais tu penses que tu es un enfant, tu es une grand-mère, tu es une vieille femme. Une femme de plus de
50 ans, tu vas pas t'arrêter quand? Tu vas faire du mal, fais du mal. C'est méchant quand même. Nicole, voyez oh, oh, tu es entré dans le clash. Tu es entré dans le clash avec Nicole. Nicole, tu es chien. Nicole ne couche pas avec les animaux. Maman, toi, tu as tout fait. Toi, tu as eu tout le monde, ta vie est merde. Tu as une vie de merde. Tu as une vie qui. Tu t'as dit, c'est seulement parce que méta, c'est méta. Maman. Les gens qui te suivent sont comme toi. Parce que c'est pourquoi tu vois les gens, toutes ces tatines-là, elles sont comme toi. Vraiment. Vous faites de la. Vous avez ça. Vraiment. Les tatines de merde comme ça, il n'y a personne pour te dire que non, d'arriver là-bas, non, n'atteigne pas ce cap-là. Tu exagères, maman. Ya. Tu n'as tu viens parler, non, tu pourrais tout dire sur Nicole, donc tu as manqué ce que tu peux faire sur Nicole, sur sa mère, sur la confidence de sa mère, que tu vas venir exposer sur l'État. Donc Nicole, quand tu vois la Nicole, t'as dépassé quoi? Donc, tu as rien sur Nicole. Les pieds comme ça, les pieds X, c'est dépassé, les pieds X, c'est dépassé, les pieds X. Déjà, moi, je pense que tu l'as demain, on va finir avec elle. Demain, on va continuer avec elle demain, ne vous dérangez pas. C'est pour ça que Dieu t'a donné d'abord une punition. Tu vas passer toute ta vie à aller couper cela. Ça n'a pas de punition là-bas. Tu coupes les seins, c'est tout bizarre. Le frère, c'est tout ballonné. Les pieds sont. Tu vas aussi redresser les pieds, non? Va redresser les pieds qui sont dans les pieds du cheval, là. Va redresser ça. La joie. C'est-à-dire cette femme me sort de partout, quoi. Maman, elle s'est mise à mon niveau. La pauvre maman t'a fait quoi? La pauvre t'a fait quoi? Elle t'a fait quoi? Elle dit qu'elle s'est mise à mon niveau, maman. Elle s'est mise à mon mais niveau. Mais c'est lamentable. Pourquoi? Tu t'es mise à mon niveau, maman. Maman. Attends un peu, il y a un qui appelle. Hein. Attends un peu. Oui, allô? Oui, excusez-moi, je me suis trompée, pardon. Vous êtes à Nicole? Oui, Nicole, oui. C'est Nicole? Oui, c'est Nicole. Ah, ok. J'appelle pour intervenir dans le direct. Vous êtes dans le direct? On est dans le direct, oui. D'accord. Moi, ce que je voulais dire, c'est que Nicole, hier, je suis ton direct hier. J'ai vraiment beaucoup apprécié ton direct hier. Oui. Pour moi, si c'est pour moi, ne l'insulte pas. Parce que les remèdes que tu mets, que sa fille parle, ça dit tout. Ça dit tout et tu restes propre. Tu comprends? Ok. C'est pas toi qui le parle. C'est on va remettre ça demain. On va remettre les remèmes. Demain, vous allez. On va remettre les remèmes. Tu dis ses vérités. Oui. Pour moi, je suis. Je ne savais pas que Flo pouvait descendre jusqu'à ton niveau. Ça veut dire que c'est grave. Hein. Je t'ai dit. Elle est descendue à mon niveau, maman. Je t'ai dit. Maman, la je puissance. Nicole. Je suis dépassée. Mais tu es déjà une star, toi. Maman. Je suis dépassée. Ça n'est que même pas de mots. Il est mêlé, au même à demain. Je suis descendue à ton niveau, Nicole. À mon niveau. Tiens le cap. Tu as tout compris. Même les vidéos où sa fille insulte. Viens mettre ça demain. Demain, boum, boum. Tu ne vois pas ta bouche. Je ne vois pas ma bouche. Dépasse tes mains. Ça fout pas la lave. Bien sûr, ça pompe aussi. Mais tu as trouvé la stratégie. Tu as trouvé la stratégie, Nicole. Ne pas que ma chérie. Laisse-la. Je te jure, ma chérie, je ne savais pas qu'elle pouvait tomber à ton niveau. Je suis dépassée. Je suis dépassée. Maman, elle t'a dit qu'elle est descendue à mon niveau. Je n'ai jamais cru que vous pouvez percher avec des enfants comme vous. Je n'ai jamais compris. Les bords de ma mère. Mon Dieu, je suis dépassée. Et un juge. Mais ce que je te dis, Nicole. Oui, ma mère. C'est la bonne stratégie de prière là. En accord avec toi de prière. N'ouvre même pas ta bouche, mais seulement que ta fille la lave. Seulement que ta fille elle même la lave. Ok. Ok, maman. C'est pas ça qui t'a choqué, hein? C'est ça qui l'a choqué, oui. Pourquoi tu m'as dit de manière? Tu n'as même pas
cité, il n'y a rien du tout. Bien. Il est sorti parce que tu as mis ça et sa fille a bien lavé là-dedans. Bien sûr, bien sûr. Bien lavé. Bien sûr. C'est la bonne stratégie, maman. Nous jouons ça à vous. Oui. Franchement, ne remets pas de sa fille et ces gens, hein. Tous les gens qui sont allés à elle là, seulement leur même battu, mais. C'est tout ce qu'elle a fait. C'est tout ce qu'elle a fait. Tout ce qu'elle a fait. Elle a même pas droit à l'insulte avec elle, mais. Bien sûr. Papa, mon fils a dit qu'il y a Flore. Ce n'est pas à toi de venir exposer la mère de ta fille, Nicole. Bien sûr. Bien sûr. Maman, il y a des gens qui vont appeler. Il y a un qui va appeler. Maman, il y a un qui va appeler jusqu'à la ligne. Ok. Ok, attends, prends les gens. Oui, attends, prends. Ok. Oui, allô? 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 Oui, allô, maman. Vous êtes en ligne. Oui, bonjour, Nicole. Bonjour, maman. Voilà. Moi, je voulais, c'était juste pour te dire que félicitations, tu as percé. Merci beaucoup, merci. Tu as percé. C'est bon, voilà. Elle a dit qu'elle ne va pas faire ça. Elle a changé, elle ne clash plus, non. Mm-hmm. Maman, tu es en train de clasher avec Goué. Félicitations. Lave-moi Goué correctement. Sans tous les remèmes, où sa fille l'insultait. Ouais. Ouais. On travaille dessus. Nous sommes derrière toi. Alors, c'est maintenant seulement, non. Nous sommes derrière toi. Goué, c'est comme Goué a voulu, non. Elle va y couper. Nous allons l'insulter bien même. Cette vipère, cette sorcière. Maman, il a fallu faire passer les panthères pour aller pour la commande du client. N'importe quoi, Ngoué, Ngoué, tu n'as même pas honte. Tu prends les voix de la maman de Nicole, tu viens pour manipuler le public, pour manipuler Meta. Tu ne peux pas nous manipuler. Nicole et maman Pépé restent une place. C'est la jalousie qui te dérange. Maman Pépé t'a bloqué. Bloqué de partout. Maman Pépé ne peut plus jamais te répondre. Tu es tombé bas. Nicole, maman est tombé si bas, maman. Je pense que Nicole aussi aime ta mère. Ne pense pas que tu viens mettre les choses, les bosses de la maman de Nicole pour que Nicole demain aille insulter sa maman. Nicole ne va jamais insulter sa mère. C'est toute la honte va retomber sur tes épaules. Vipère, sorcière. Imbécile avec ses minces pieds comme le canard saleté. Nicole, aïe, 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 demain. Eh, maman. Ouh. Et dit que d'être dépassé comme ça, maman. J'étais dépassé. Puisque tu viens mettre les audios de ma mère sur Facebook. Tu viens mettre les audios de ma maman sur l'état. Tu penses que mais tu penses que maman n'a pas fait le sale, maman. Demain, c'est les remember. Quand le ton téléphone éteint, on se trouve, ignore. Oui, alors, quand on éteint le téléphone, on se trouve de ça. Dégage, saleté, bah. Oui, maman, vous êtes en ligne. Allez, ma petite, ça va? Ça va, ça va. Je vous écoute. C'est moi qui très souvent, non. Moi, je suis pas payé, je suis donc pas détracté, je suis rien dans tout ça. Donc, allô? Oui, oui. Non, ça fait parce que j'ai essayé, je n'ai même pas écouté le vous direz tout ce qui se passe après trop d'histoires. Je vais te dire quelque chose, petite soeur. Je suis quelqu'un qui a le cœur sur la main, j'ai horreur de l'injustice, de la maltraitance, de tout ce qui se passe là, j'ai horreur de tout. Moi, ça, c'est bon, c'est quelque chose de trop dangereux, petite soeur. Très dangereux parce que moi je suis sur la Facebook, je vous regarde seulement comme je vois là et je suis une mère d'enfant. Je te dis l'autre jour que je suis que j'ai Boza et pour moi Boza est venu ici, c'est l'obligation de réussir. Je ne suis pas dans les réseaux sociaux, j'aime même pas tout ce qui raconte. C'est vrai que l'autre jour, moi je connais pas les soins de ces profils, même les commentaires, j'aime pas envoyer les mauvais commentaires de peur qu'on a dans mon profil parce que moi c'est mon profil, il est un vrai profil. Ok, donc c'est pour ça que je viens de suivre un direct là, me disant que j'ai même pas déjà. Écoutez, après j'ai suivi l'intervention de Tata Ndolé Million, donc quand elle laissait un message à Flore qui m'a beaucoup touché. J'ai vu une intervenante qui a intervenu soit tu voulais venir en France, nanani, nanana, elle a bloqué ton nom juste assez. Écoutez, ma chose, c'est. Oh, attends, dans quel direct? Dans le direct de Mamboma? Oui, tout à l'heure. Oh, attends, vous écoutez, attends, c'est le mensonge d'écouter les gens qui mentent, mon frère. Flore va inventer les choses sur ma vie parce que Flore a vu ma lumière dans sa soirée.
Elle a vu ma lumière. Parce qu'elle a vu ma lumière dans sa soirée. Elle veut éteindre ma lumière. Oui. Après, je voulais te dire que moi, je ne suis pas aveugle, je ne suis pas cégué, je suis seulement quelqu'un qui regarde. Je suis quelqu'un qui a le cœur sur la main. Regarde comment tu es descendu. J'ai quatre choses ensemble. Oui, oui. Comment Flo détruit le bloc Cameroun. Elle ne veut pas qu'on la dépasse. Elle veut donc Flo veut détruire le bloc, pas détruire le bloc Cameroun. Moi, mon conseil que je vais te donner, c'est que si jamais tu veux changer pour la France un jour, tu me dis, moi, je vais te déchirer une année. Mais moi, je n'ai pas encore mangé mon enfant. Arrêtez. Vous avez dit qu'elle partait en Europe. Ouais. On est là pour insulter Ngoï. On n'est pas là pour venir raconter ma vie. C'est le combat qu'on doit chasser Ngoï de Facebook. Parce qu'elle a été détruite la diaspora camerounaise, elle détruit le bloc camerounais. Vous ne voyez pas, ouvrez les yeux, cette maman. Vous avez tout d'un coup continué à regarder une idiote comme ça, comme elle, qui a été détruite les gens sur la toile. Venez exposer une maman sur les réseaux sociaux parce qu'elle s'attaque à sa propre fille. Hein? Qu'est-ce que j'ai fait à Flore? J'ai fait quoi à Malene? J'ai fait quoi? J'ai attaqué un jour, non? Hein? Je vais t'expliquer quelque chose, que si je te comprends, c'est vraiment, je te dis que moi, je ne suis pas. Je ne connais même pas comment on met même le poutine, faire les directs et tout ça. Moi, je peux te m'appeler en inbox. Mmh. Parce que tu es quelqu'un que j'aime. Je ne connais pas les gens qui dans la vie, tu vois comme ça, tu aimes pour rien. Bien sûr, bien sûr. Je vois quelqu'un qui passe, il y a parfois ma panne qui fait ces directs-là. Mmh. Et il y a une sensibilité pour les gens qui sont malades. Moi, plus, enfin, j'ai pas tard. Je donne 50 000, parfois, je donne 100 000. Ce n'est pas parce que j'ai trop, mais parce que le peu que Dieu me donne. Je te dis que j'ai fait les deux boulots, plus ma coiffure. J'ai gagné très bien. Donc, quand je vois quelqu'un qui a un souci, je donne. Parce que c'est Dieu qui aussi. Là, tu me bénis, petit sœur. Pour ajouter des autres, en 4 ans que je suis venu en France, que mon montre en 6 ans, 13 ans en France, tu m'as dit que mes yeux, quelque chose, je fais comment? Mais parce que je travaille tellement, tu. Bien sûr, bien sûr. Tu me bénis le matin, tu me bénis à monsieur le soir. Mm-hmm. Tu comprends? Donc après, moi, je connais pas, moi, c'est les directs, moi, je vais donner un coup de main ou bien un conseil. Il y a les gens qui vont appeler après. Il y a les gens qui vont appeler. Tu comprends? Oui. Ok, on va s'en sortir. On se reparle plus tard. Faut commencer à déballer de ça là-bas. Bon, je vais arrêter comme ça hein, pour aujourd'hui. Il faut qu'on prépare le live pour demain. Je ne peux pas. Je ne peux pas flormer. Elle est venue s'exposer. Elle est venue s'attaquer à ma personne. Elle est descendue plus bas. Elle est descendue à mon niveau. Flo est descendue à mon niveau. Remarque que Flo est descendue à mon niveau. Elle est descendue, j'ai ramené Flo dans les clashs. Waouh! Nicole, la puissance. Je l'ai ramené dans les clashs, maman. Le clash de ça. Demain, les remember. Allô? Tu viens m'insulter, maman? Allô? Tu viens m'insulter, maman? Non, ma chérie, je ne viens pas t'insulter, Nicole. C'est Nicole, bonjour. Oui, Nicole, oui. Eh, ma, tu dis que je viens t'insulter? Nicole, ma bonne fellow. Ah, ok, ma. Ma bonne fellow, ma donne ce chabou. Ah, ok, ma. Ok. Depuis que Facebook existe, je n'ai jamais appelé dans aucun direct. Et donc, c'est ma première fois d'intervenir dans ton direct. Je n'ai pas besoin de t'insulter. Je n'insulte personne. Je t'appelle. Tu as même vu mon visage. Je suis maman. J'ai appelé tout simplement parce que j'ai deux messages à passer. Un à Flore de Lille et. Le deuxième à toi, toi de même. Mm-hmm. Je voulais dire ici à la grande sœur Flore de Lille, ma chère grande sœur, je pense que je ne vais pas parler ici pour supporter Nicole, ni pour te supporter. Je vais tout simplement dire ce que je vois et dans la clairvoyance. Dans un premier temps, il est bien vrai que Nicole a fait beaucoup de choses qui ne sont pas bien vis-à-vis de toi. Ça, c'est vrai. Que ce soit les pics, que ce soit des petits trucs et tout et consorts. Mais je trouve que, grande sœur, tu es une grande sœur. Il y a des limites, c'est vrai, à beaucoup de choses. Aujourd'hui, tu es sortie, tu as voulu recadrer ta petite sœur. Je pense que tu devais tout faire. C'est qui m'a amené, tu fais. C'est qui m'a amené à elle m'a recadré, mais qu'elle recadre sa famille, qu'elle ne me recadre pas. Elle va recadrer quoi sur moi, ma chérie? Nicole, la Bible a dit. Moi. Même si tu sortais, Flore de Lille, pour t'agresser à Nicole, tu pouvais faire beaucoup de choses, mais où tu as vraiment très mal fait, c'est poser les audios de cette maman qui n'a rien à y voir entre toi et Nicole. C'est la maman de Nicole, c'est vrai, mais cette maman a eu à causer avec toi dans la pure intimité.
Elle ne s'est pas perdue en venant parler avec toi. Tu pouvais recadrer Nicole, dis tout ce que tu as dit, mais tu n'avais pas à mettre ces audios-là. Sincèrement, moi, je trouve que tu es descendu très bas en postant ces audios. Sincèrement, tu pouvais t'éviter ce caca. Ça n'a pas lieu d'être. Nicole, s'il te plaît. J'ai dit ceci, tu n'avais pas, grande sœur Fleur de Lille, à mettre ces audios. Tu n'avais vraiment pas à le faire. Ici, tu n'as pensé qu'à toi et à Nicole. Tu n'as pas pensé à la maman de Nicole. Elle ne s'est pas égarée avant de venir vers toi pour te poser ces audios-là. Alors moi, je pense que même si tu as quelques conflits avec Nicole, il y a même certains audios, même si tu veux poster, écoute d'abord. Tu devais poster les audios de sensibilisation vis-à-vis de Nicole, pas ce genre d'audio que tu as eu à poster. Pour non, moi, je trouve que tu as mal fait de poster cet audio. Et sincèrement, moi, je te conseille, même si tu es fâché avec Nicole n'importe comment, oui, tu as tes raisons quelque part, il faut le dire aussi. Mais moi, je te conseillerais d'aller même dans le inbox de cette maman lui demander pardon. Parce que ici, tu n'as pas mal fait vis-à-vis de Nicole, mais tu as très mal fait vis-à-vis de sa maman. Cette maman n'est pas dans vos choses. Elle n'est pas dans vos conflits. Tu as mal agi vis-à-vis de cette maman. Tu vas manger ta chair avant de mourir. Tu dois vraiment aller demander pardon à cette maman. Ça, c'est ce que je pense. Et je viens ici du côté de Nicole. Nicole, ma sœur, toi et moi, peut-être nous sommes dans la même génération. Mmh. Ça ne fait pas que le temps aujourd'hui, j'ai perdu mon petit frère dans cette tour-là parce qu'il venait ici. Voilà. Il n'a pas pu venir. Je parle, j'ai même beaucoup de larmes aux yeux. Je venais vers toi parce que de un, tu es ma sœur. Oui. Et de deux, tu es ma sœur camerounaise. Je vois dans Facebook depuis des années, je n'ai jamais intervenu ni écrit, je ne fais jamais rien de tout ça. Mais je voulais te dire, ma sœur, tous ces gens qui viennent appeler pour te mettre le feu aux fesses, il faut faire ça, il faut faire du sale, il faut faire ceci, il faut faire cela. Nicole a une vie. Nicole, c'est aussi un enfant. Elle est venue ici se chercher. Il y a beaucoup de gens qui se sont battus, qui ont voulu ancrer comme Nicole. Ils n'ont pas pu. Conseillez Nicole comme vous pouvez conseiller vos enfants. Ne lui dites pas de venir se mettre ici là à dos avec des mamans comme ça sur Facebook. Vous ne l'aimez pas en lui disant cela. Nicole peut se battre vis-à-vis des réseaux sociaux comme tout le monde. Elle peut faire autre chose. Elle n'a pas venu se mettre à dos avec une maman comme ça. Cette maman a déjà réussi sa vie. Pourquoi vous lui dites que non, il faut l'insulter, il faut faire aussi, il faut faire comme ça. Elle est descendue. Maman, mais qu'elle est remembre, non, elle n'insulte pas, mais qu'elle est remembre de sa fille. Vous voyez Nicole dans le feu. Nicole, quand nous jouons, ça va prendre la tienne, tu vois, mais c'est un tchaba, c'est un grunge, vous connaissez quoi? Vous connaissez quoi quand tu vous dis là? Vous avez déjà eu à faire vos vies. Tout le monde, vous êtes déjà bien posé en Europe. Laissez-la, conseillez-la sur ce qui est positif pour sa vie, pour sa propre vie. Conseillez-la sur ce qui est positif. Je dois donner une leçon mémorable à Flor, maman, pardon, laissez-moi. Je suis d'accord. Quand Flor mettait mes doigts, elle a donné une leçon. De cette salle, si elle venait en bec, maman, je ne coupe pas après la gloire, maman. Pardon, laissez-moi. Pardon. Attends, laissez-le couper même. Mon frère, c'est comment? Ne me conseillez pas, maman. Vous ne me conseillez pas pour quoi? Cette femme a détruit la diaspora. Elle a détruit les gens dans la diaspora. Détruit, elle passe son temps à détruire les gens. Elle détruit les gens dans la diaspora. Mais, hey, vous racontez même quoi? Quand elle était là-bas, pourquoi vous n'avez pas appelé pour dire qu'elle est elle n'aime même pas les audios de ma mère? C'est qui? Bonjour Nicole. Tu veux m'insulter? Non, maman, je vais m'insulter pourquoi? Oui, parle à maman. C'est vrai que tu viens de m'insulter. Je vais te dire seulement que courage à toi et ta maman, merci, c'est merci tout. Merci beaucoup, merci. Merci. Rapproche alors, s'il te plaît. Ok. Mais je suis que maman non tu maman est-ce que tu es là maman quoi on te chatouille tout là mon frère il pleure quoi on va se voir demain on va mettre les remembers du chien comment tu fais l'amour avec le chien parce qu'il faut qu'on ternit ton image. Tu es descendu plus bas que t'es, plus bas. Tu es descendu avec Nicole que tu as plus bas que t'es. Tu es descendu plus bas que t'es. Plus bas que t'es. Regarde la petite Nicole qui te fait descendre de tes cons. Parce que hier, j'ai mis les audios de ta propre fille, comment elle te lavait.
Qu'est-ce que tu fais? Comme tu n'as rien sur moi, il faut que tu t'attaques à ma mère. Tu t'attaques à ma mère. Vous avez que Nicole en train de pleurer. Je ne pleure pas. Je suis une guerrière. Je suis une guerrière. Tu n'as rien sur toi, non? J'ai mis les audios. Comment tu m'as envoyé d'aller prendre la vidéo de la maman de Dorcas sur YouTube pour te donner que tu mets sur ta page? Tu as dit ça, non? N'importe quoi. Tu opères dans le noir. Tu opères dans le noir. Tu vas payer. Google paye. Voilà, c'est ici. J'ai dit que ma guerre avec toi, ça va durer 200 ans. Ma guerre avec toi, ça va durer 100 ans. Ma guerre avec toi. C'est toi qui m'as envoyé la maison des pipis. C'est toi qui m'as envoyé la maison. C'est toi qui m'as envoyé la maison de pipi. C'est toi qui m'as envoyé. On va se faire ça sur Meta. Tu ne cours pas. Hein. Vous qui voulez courir, vous ne, oh, moi, ne cours pas. Hein. Je vais mettre les audios de ta fille demain. Demain, je vais mettre ses audios demain. Comment ça fit? Ta fille t'insulte que tu n'as pas de conscience. Comment ta propre fille t'insulte que tu n'as pas de conscience? Ta propre fille t'insulte que tu n'as pas de conscience. Je vais te traiter avec les audios de ta propre fille. Voilà ça. Demain, on va faire écouter les audios, c'est demain. Une pique ma guerre avec toi. Voilà les audios de ta fille. Comment ta fille t'insulte que tu n'as pas de conscience? Je vais mettre ça, les Camerounais vont insulter. Je vais mettre les remèmes bassis demain. Les Camerounais vont écouter comment ta fille te traite de tous les noms. C'est ta. Je vais te dire qu'elle va te traiter avec tes remèmes bas. Moi. Après, je vais mettre les remèmes bas. Comment tu as publié, pipi? Les Camerounais vont appeler. Je vais te traiter. Tu as fait le sale. Oui, allô? Oui, allô, c'est Nicole? Oui, c'est Nicole. Oui, ok. Nicole, ce que je vais te dire, c'est... Mm-hmm. Je suis franchement dépassée. Oui. Je suis dépassée. Parce vraiment? Que je ne savais pas que Fleur de Lille pouvait descendre aussi bas. Maman, elle est descendue aussi bas. Maman, elle est descendue aussi bas. Maman. Elle a oublié que... porter sur sa tête sa défense quand elle était consacrée, qui était là avec la maman Lily à la cuisse. Maman, je me disais comment il faut parler sortir sa reine de l'encerclage. Ils ont oublié tout ça. Ils ont oublié tout ça. Dès que mon blanc fait mal à Flore, mon blanc fait mal à maman Boma. Non, Nicole, mais ce que je peux te dire, c'est que tu as percé, maman. En fait, si elle est quittée de son pédestal ou de ses adeptes de la ville là, c'est comme de trouver l'ombre au trou là. Maman! Ça veut dire que tu as fait. Maman! Moi, le conseil que je vais te dire, maman, quand tu as sorti ton concept de remettre ta vie, c'est pas de la Nicole. Elle est ici. Maman, ne l'insulte pas. Mais seulement le remède où sa fille est qui est celle-là, l'insulte. Ouais! Voici le vrai même bas. Le vrai même bas. D'où ta fille. Voici. Voici ça. Flore, regarde ça. D'où ta fille t'insulte. Voici le vrai même bas. Ça. Je vais te traiter. Maman. Maman. Aujourd'hui où elle a commencé avec ta mère. Elle dit que. Ah, Flore. Ta mère. Jamais indexé. Maman, il n'est jamais indexé. Jamais indexé. Toujours respecté. Toujours respecté. Toujours respecté. Maman, maman. Mais ce que je vais te dire, Nicole, ma soeur, je ne vais pas te dire que quand tu la respectes ou ne la respecte pas, mais c'est comme moi je vais te dire que ne l'insulte pas. Si tu ne l'insultes pas, ça veut dire que tu conduis le respect. Mais tu la laves avec les remèdes de ses filles, de sa fille et de ses gens avec qui elle est. Je la lave avec on rapproche. C'est pas toi qui parle. Ouais. C'est ça, c'est pas moi. J'aime que les filles disent ces vérités. Je te jure que le remède que tu as mis hier, quand sa fille lui disait que non, Flore, ce n'est pas à toi de venir exposer ta fille, Nicole. J'étais trop fière. Sa propre fille. Maman. Je te conseille de continuer dans ce registre. C'est un bon concept. C'est les remèmes, maman. On va continuer demain. Je te passe les remèmes parce que tu descends avec. Si elle sort, elle parle de toi. Tu passes chercher le remède dans où on l'a là avec tes voilà. Bras. Tu voilà. Mets, tu mets là-dedans. C'est les que dedans. C'est les que ça, hein. C'est les que les remèmes, là. On va que je vois les remèmes, maman. Tu mets
là où on retourne à ta question. Là où les autres personnes, les gens avec qui elle est, retourne à ta question là-bas. C'est tout. Nicole la puissante. Maman, je suis en bain. Maman, je suis en bain. Maman, que les gens ne te trouvent pas. Ne te plains pas que tu l'insultes. Ne l'insulte pas. Tu as trouvé la bonne stratégie. Quand elle sort, elle parle de toi ou de ta mère. Tu cherches le remède là où ces gens-là. Ne trompe pas la fille du Cameroun, Flore. Attends, maman. Oui, tout à l'heure, il y a qui va appeler. Ok, maman. Courage. De rien. Ne trompe pas cette fille du Cameroun, Flore. Fais venir la fille au Cameroun. Je suis en bain, maman. Tu ne me peux pas. Si ma mère, c'est ma mère qui veut manger sur Facebook, je donne ce qu'elle peut donner à ma maman. Je n'ai pas bordé. Mon anus est fermé. Je ne suis pas le Pompidou de Facebook, maman. Maman, je suis en bain. Adieu, mon bain. Je te dépasse. Là, mes cheveux, regarde. J'assume ma beauté. Enlève ta perruque, on voit. Si tu es une belle femme, on voit. Enlève ta perruque, on voit. Enlève ta perruque. Tu es comme moi. Je n'ai pas fait la chirurgie. C'est mes seins. Madame, mes seins, c'est mes propres seins. C'est ça. Ce n'est pas le plastique. C'est mes seins, c'est encore debout. Voilà mon ventre. Tu pleures, ma beauté. Voici mon ventre que j'ai accouché. Voici mes seins qui sont encore debout. C'est mes seins. Voilà ça. J'ai pas les pieds tordus comme les pieds X tordus. J'ai pas les pieds X qui sont tordus comme ça, les pieds X comme ça. Tu marches croisé, tordu, maman. Le remember va jouer demain. On ne parle plus trop. On ne parle plus trop. Maman, depuis que je suis rentrée à ta soirée, maman, tu as commencé à me détester sur la toile. Je n'ai rien compris. Je me suis posé la question, qu'est-ce que moi j'ai fait? Je n'ai rien compris. Parce que tu as vu mon étoile dans ta propre soirée. Tu as vu Nicole que tu es en vrai. Tu as senti la puissance qui était à moi. Parce que je suis un enfant béni. C'est pour ça que ton sang ne colle pas avec moi. Parce que tu es le diable incarné, Flore. Comment tu es le diable? Si on te pose la question que Flore, Mamie Mboma, c'est que moi, Nicole, la petite de l'Italie, la Isaac, t'as fait, tu ne peux pas dire c'est parce que mon sang est amer, la peau aussi est amer. Tu viens déposer les audios de ma mère sur Facebook, c'est la plus méchanceté. Il y a les gens qui te suivent, les gens qui vont te suivre dans la bêtise que tu es, ce sont les gens qui sont comme toi, qui ont le même cœur que toi, parce que quelqu'un de conscient, un être humain ne peut pas faire. Ta propre mère dans la maison, elle met les couches. On met les couches à ta mère. On te prie Dieu pour ta maman. Tu sors pour faire du mal aux gens. Toi, tu es qui sur Facebook? Tu n'es rien, ma soeur. Descends de ton piédestal. Tu as trop fait le mal aux gens. Et tu vas payer ce mal que tu as fait aux gens-là. Tu vas manger ta peau avant de mourir. Tu vas manger ta peau avant de mourir. Voilà comment Pépé, non? Tu as dit à mon don vision que le chien ne change jamais la façon de s'asseoir. C'est toi. C'est toi qui ne changes pas la façon de t'asseoir. Quand tu continues dans la racaille, tu penses que les gens qui t'invitent dans les soirées là, te voient déposer les audios du maman sur Facebook. Tu penses que tu es consciente parce que tu penses intimider Nicole Kétia. Regarde quoi tu es, regarde comment tu es descendu. Tu es descendu plus bas que terre. Tu penses que les gens, je ne gère pas les à côté. Les gens vont m'insulter. Vos gens vont me faire des caméras. Insulter ma mère, c'est leur propre mère qu'on insulte. C'est ta mère qu'on va insulter dans la mer. C'est pas ma mère. C'est ta propre mère qu'on va insulter. La diaspora est pourrie à cause de toi. La diaspora camerounaise est pourrie à cause de toi. Tu as détruit le bloc camerounais. Pour clasher Nicole, il fallait mettre les insultes de ma mère. Tu n'as atteint plus depuis 2000 personnes en ligne. Tu n'as pas atteint. Il fallait que tu déposes les pour atteindre plus de 4000 personnes. Pour dénigrer Nicole, regarde à quoi tu es devenu, Flore. Regarde-toi. Regarde comment tu es devenu. Tu vas te regarder dans combien d'années est-ce que tu veux mal que tu. Tu continues à faire le mal aux gens. Tu continues à faire le mal. Regarde à quoi tu es devenu aujourd'hui. Regarde comment tu es descendu. Parce que maman Pépé est partie à étudier. Étudier, ça te fait mal au cou. Ça fait que tu peux mourir à cause de ça. Demain, ciao, bisous.